Charles Dance est un acteur qui est né le 10 octobre 1946 à Redditch en Angleterre. Il est le fils de Eleanor Nell Pertz et Walter Dance. Au début de ses études, le jeune Charles s'oriente vers une carrière de charisme. Mais un jour, dans un pub, deux amis acteurs vont le convaincre de suivre des cours de théâtre. Au milieu des années 70, Charles Dance rejoint la prestigieuse Royal Shakespeare Company de Londres, où il va jouer dans des pièces de théâtre comme Hamlet ou Richard III. En 1974, il fait ses premiers pas à la télévision dans un épisode de la série The Inheritors. En 1981, il débute au cinéma en jouant un assassin dans un James Bond, Rien que pour vos yeux, de John Glenn, face à Roger Moore, et là commence sa grande carrière. Tout d'abord à la télévision dans la série Le Fantôme de l'Opéra et dans une multitude de séries. Mais sa carrière va réellement éclater en jouant dans des films comme Pletty en 1985 avec La Grande Meryl Streep, L'île de Parcali en 1988, Golden Child en 1986 avec Eddie Murphy, Last Action Hero en 1993 avec Arnold Schwarzenegger où il joue le rôle de Bénédicte, Lune Rouge en 1994 avec Ed Harris, mais c'est surtout en jouant le rôle du Dr. Clemens dans Aliens 3 de David Fincher qu'il va réellement devenir connu du grand public. Il jouera aussi dans des petites séries B comme Patrick en 2013, Armada en 2015 et Space Truckins en 1996. Et en 2011, il fait son grand retour à la télévision en jouant dans la grande série Game of Thrones où il joue le rôle de Tamin Lannister. Là, Charles Dance est complètement incroyable de charisme dans ce rôle. Il jouera aussi dans l'excellente série The Crown. Maintenant, Charles Dance a 77 ans, il continue sa grande carrière, il continue à nous éblouir avec sa grande classe et son charisme, le grand et l'incroyable Charles Dance.